Voici les chaussures. C'est les vraies chaussures. Hein. Voici les cartons. Les chaussures que nous allons distribuer aux enfants. Ok. C'est les vraies chaussures. C'est ces chaussures-là que nous allons distribuer. Voilà, donc voici le stock des chaussures. Wow. Date de janvier, hein? Les chaussures de janvier. Pouvais-tu faire autrement que d'être dans la volonté de Dieu? Papa, mes amis et moi, que dis-je, mes frères, mes soeurs et moi? Te souhaitons la paternelle, bienvenue de ton long séjour européen qui a fait trembler le monde de Satan. Et surtout qui a apporté la joie de vivre aux différentes familles visitées. Tu nous as beaucoup manqué durant cette longue absence. Papa, nous avons bien de raisons pour saluer ton retour parmi nous. Tu es un père qui accueille, qui salue toujours ses enfants avec les mains chargées. Que serions-nous devenus sans cette œuvre inspirée et bénie de Dieu? La fondation Espoir de vie du prophète Joël Grasso. Tu as réécrit l'histoire de notre vie, cette fois la vraie.
rejeté, abandonné, mes frères, mes soeurs et moi. Tu as fait de nous des champions, des meilleurs. Grâce à toi, nous avons retrouvé et formons, cher papa, une grande et vraie famille. Que Dieu le Tout-Puissant te bénisse. Tu nous as tendu ta main de bénédiction pour nous sortir de la rue, sous le soleil et la pluie, dans les pleurs, pour nous donner un abri de fortune. Tu as donné la joie à notre cœur de renaître et de vivre. Oh, peut-être qu'il ne suffit pas, mais accepte, cher papa, ce petit mot que tous les hommes de bon sens utilisent. Merci. Merci, papa prophète. Par ton ministère, nous avons retrouvé notre place, nos rangs dans notre société. Que le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, dont tu es le serviteur, te garde longtemps. Qu'il bénisse ton ministère et le rende plus puissant. Aïe, Lisa. Papa, je vous remercie. Shalom. Ah, shalom. Ça mérite un bisou à tout le monde. Ça mérite un petit bisou. Salut, papa. J'ai bien exprimé. On ne joue pas les jaloux. Hein. Nous battrons toujours pour apporter la gaieté dans le cœur des enfants. On a commencé, on fera un effort pour encore être dans les campements, pour aller sauver encore d'autres vies. Et ça, c'est vraiment très important. Parce que vraiment, s'occuper d'un enfant, c'est de sauver toute une vie. Il faut aider, il faut sauver. Et ça, c'est vraiment très important. Il y a toujours l'habitude de dire, si tu ne peux pas aider quelqu'un, il ne faut pas le nuire. Donc, Dieu nous a créés afin de pouvoir aider les gens. Voilà, c'est le but de que pour que l'homme ait sur cette terre, c'est de partager. Et c'est ce que nous essayons de faire par la grâce de Dieu.